Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux qu'en sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Temps passé, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tou. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente renfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre s'y dépasse. Ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Parenté ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rendra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envol vers la paix.